Hey, salut tout le monde, c'est Vanduin. Bien, on se retrouve pour poursuivre donc l'aventure sur Watch Dogs. Hey, j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Petit rappel de où on en était du coup avec l'appel. Avec un client très exigeant qui a besoin d'un chauffeur. Non. Attends, je t'explique. Ce matin, j'ai trouvé Maurice en train de creuser un tunnel pour sortir de sa chambre d'amis. Du coup, faut que je change d'endroit. Bon, ce serait un peu à toi de t'en occuper, vu que Maurice, c'est ton problème. Mais c'est pas mon style. Je finis toujours ce que j'ai commencé, donc ce que je demande... Ok, c'est bon. Je m'en occupe. Non, mais il faudrait pas t'embêter non plus. Je t'ai dit que c'était ok. Faut faire quoi, exactement? Une livraison. Escorter un type. C'est simple, non? Mais oublie pas que ma réputation est en jeu. Mon client paie le prix fort pour avoir le meilleur chauffeur de Chicago. C'est son jour de chance. Ah, j'aurais pas dit ça. Donc nous sommes embauchés par notre propre employé, c'est ça qui est cool. Oula, c'est loin, je vais peut-être pas y aller à pied. Alors j'ai comme promis, enfin comme prévu, c'est pas vraiment une promesse, hein. J'ai été de mon côté faire tout un tas de missions annexes. Du coup j'ai débloqué des armes, j'ai débloqué des véhicules, j'ai débloqué des tenues d'ailleurs, hein. C'est pas la même tenue qu'au début. Mais ça c'est une tenue édition collector, hein. Enfin de luxe. J'ai également tout plein de thunes, donc si jamais il y a besoin d'acheter quelque chose, ce sera possible. Et donc clairement je préfère les motos. Hein. Allez, c'est parti, on va jusqu'à la mission. Ça va, c'est tout de suite beaucoup plus rapide en moto, hein. En véhicule de manière générale, fort heureusement. Ok, bah j'ai cassé un plomb. Oh, de la musique. On peut gagner des musiques comme ça, avec son sneak, à l'application quoi. Hop, merci. C'est quoi ça? What? C'est quoi ça, un fixeur? J'ai dû faire trop de bruit dans le loop. Il m'a localisé. Eh ben, à moi de le trouver maintenant. Le contrat de Jordi attendra. Retourne sur la route. Voilà, c'est ce que je compte faire. Oups. Allez, go. Alors, comment ça se passe? Ok, trouver le fixeur, responsable d'un tentative de piratage, utiliser le profiler sur toute personne que vous soupçonnez d'être le hacker. Alors, donc... Donc ça, c'est une fonctionnalité normalement qui se fait en ligne. Hein. Alors je suppose, très sincèrement, que, en toute théorie, faut pas se balader comme ça. Hein. Bordel, il en a après moi. Peut-être que si je trace son signal, je le retrouverai avant qu'il pirate mon téléphone. Te voilà. Maintenant, t'es à moi. Je le tue carrément. Pas mal. Bim. Je l'ai eu. Ça fait un fixeur de moins. Combien il peut y en avoir encore? Bon, bah, soit. Alors, en tant que fixeur, votre notoriété détermine votre influence parmi vos pairs. Améliorez votre notoriété en affrontant d'autres fixeurs au cours de contre en ligne. Débloquez de nouvelles compétences à mesure que votre notoriété augmente. Ok. On s'intéresse à moi, apparemment. J'ai envie de voir ça. C'est en bas. Qu'est-ce qu'on peut débloquer? Un fixeur, espionnez-le au cours d'une filature en ligne pour obtenir le fusil, machin. Ok. Encore une arme. Un véhicule. Des armes. D'armes. Okay. Bon, j'ai déjà des armes qui sont les pas trop mal, hein, vous aurez l'occasion de voir ça si je dois m'en servir. On a mis un contrat sur ma tête. Et c'est une putain de mauvaise nouvelle.
Si je me souviens bien, ils utilisent la grille pour communiquer. Ah, ok. Alors... ouais... Piratage, filature, course... Course non, pas trop. Exploration en ligne, CTS mobile... Ouais, je sais pas, on verra bien. Alors... Contrat en ligne. Oh, il y en a quand même pas mal, hein. Ah, d'accord, en fait, c'est par, par quartier, d'accord. Bah écoutez, on va faire ça. Fichier classement, je m'en fiche. Serveur Ubisoft non disponible. D'accord. Bah je risque pas de pouvoir le faire, dis donc. je vous reprends dès que les serveurs sont un peu ok quoi. Bon bah finalement bien. Les serveurs n'avaient pas l'air je de. Je peux retourner à la mission de Jordi. C'est comme un. Ou alors c'était bloqué, peut-être exprès. Je vais devoir déposer quelqu'un. Un peu comme un taxi. Mais en mieux. Le truc, c'est d'éviter les flics. Et du coup, bah je peux continuer la mission quand même, donc bah on va le faire. Hein. Alors la mission elle est où? Ok, exactement au même endroit. Mioum. Il doit réparer la borne. Hop, la repasse. Il n'y a pas de raison. Oh, attendez, il y a un truc là-bas. Chut. Et on va, t'es qui toi? C'est ici. Si le type compte faire quelque chose, ce sera pas loin. Lucky Queen te passe le bonjour, enfoiré. Attends, je suis carrément trop loin, mais... Pauvre merde. Dégage, connard. Comment ça... Wow, tu m'as tiré dessus, là. Non, mais... C'est mon paiement. Oh, j'ai débloqué une arme, cool. Bon, ça va aller là ou pas? Tout est parti en couille. C'est bon, j'arrive. Putain, même toi, les flics vont me serrer, grouille. Y a rien qui presse, hein. Ok. Alors, t'es où? T'es là. Bah ça va, c'est pas loin, nos stress. Les forces de police de Chicago sont parvenues à déjouer une effraction nocturne dans une usine. L'un des suspects a été tué sur place, tandis qu'un autre est en fuite. On craint des perturbations à Parker Square où la police a installé des barricades. Ici Central, on a le feu vert pour un scan CVOS. On cherche le suspect. Éviter les cercles de scan, poursuite semer les policiers, recherche sortie de la zone de recherche. Okay. Ici Central, on a le feu vert pour un... Et merde.
Ah, pas cool, quoi. Ici Centrale, on a le feu vert pour un scan CTOS. On cherche le suspect. Attention. À toutes les unités. Oh, vous m'énervez, là. Le Centrale lance un scan CTOS pour trouver le suspect. Oh, de trucs qu'on pourrait pas faire avec une voiture, par exemple. Hein. Centrale à toutes les unités, scan CTOS. Oh, merde. Vite. Ici Centrale, on a le feu vert pour un scan CTOS. On cherche le suspect. Voilà, je suis à l'heure. J'espère que t'as une invitation ou t'es mort. Je suis le chauffeur. Putain, c'est pas trop tôt. T'as une caisse, celle-là est défoncée. Non, j'ai une moto. Non. Mes règles, ta voiture. C'est comme ça. Bon, allez, d'accord, on y va. Et t'es qui, mec? Parce que... Ah, c'est vrai qu'elle est un peu défoncée, quand même. Allume pas les phares. Alors, quittez la zone de recherche. Vous pouvez également vous cacher à l'intérieur de votre véhicule après avoir regardé en appuyant sur B. Ouais. Attention, vos ennemis peuvent reconnaître votre véhicule s'il passe à proximité. Tout est parti en couille. Eddie est mort, je l'ai laissé là-bas. Putain, les flics sont... J'aille où? Quoi? Mais j'y étais tout à l'heure. Ça craint. Suis bien le parcours, et fais gaffe, les flics patrouillent toujours. Tu vas nous tuer avec ton parcours. Détends-toi, oh, petit appel, désolé. Et hop, voilà, désolé, j'ai reçu un appel. Tu veux te faire descendre comme ton pote? Allez, baisse la tête. Centrale, on va essayer de coincer en vérifiant les allées. Bien reçu, tous les ponts du périmètre sont levés sauf celui de Wells. Des renforts se dirigent vers la zone. Reste calme et baisse la tête. Ils peuvent pas s'en aller les flics là? Ah ça y est. Bon alors c'est quoi le plan? Parle-moi! Commence par te calmer. Toute l'île est sous... Alors attendez, j'ai un barrage ici donc du coup faut que je passe par là. Surveillance. On va passer par les petites rues, par les garages, histoire de pas se faire repérer. Si tu vois que je coupe le moteur et les phares, tu la fermes. Qu'on ait l'air d'une bagnole normale. C'est compris? Ouais, ok. Putain, mes mains arrêtent pas de trembler. T'as déjà vu quelqu'un se faire tirer dans le bide? Trop souvent. J'ai déjà tiré sur quelqu'un dans le bide. Allez, merde, dis quelque chose, je flippe, là. Eddie, il est peut-être encore vivant. Oh merde, merde. Il paraît que c'est pas trop grave comme endroit, c'est vrai? Ça dépend vraiment de la blessure. Si la balle ressort pas de l'autre côté, il peut y avoir des dégâts internes. Quelque chose de moche. De toute façon, les flics vont vouloir des réponses. En gros, ils vont sûrement escorter ton copain jusqu'à l'hôpital. Tu dis que t'as vu plein de blessures par balle. Oh merde, putain, j'ai buté Eddie. C'est ma faute. J'ai entendu les sirènes et j'ai réagi sans réfléchir. Je me suis dit qu'en le blessant, ça les ralentirait. Mais je visais son bras, putain, je te jure. Fallait bien qu'un des deux s'en tire, non? Ces types... Oh putain, on m'avait dit que t'étais bon, t'as assuré. Ok, on va attendre que les flics passent. Petit coup de stress là quand même. Hein. Mais pourquoi est-ce que tu m'as fait venir là si on doit aller là-bas? Parce que c'est le seul pont qui est... Ouais, sans doute pour ça. Bon, faut attendre que les flics passent là. Hein. Bon, déjà ils ne nous cherchent plus, ça c'est une bonne nouvelle. Oups, je n'ai pas prévu de faire ça, j'avoue. Bon,
on va y aller doucement quand même, hein, parce qu'il faut pas non plus se faire repérer. Faut être capable de réagir, quoi. Alors, je vais passer à gauche. Oups, je voulais reprendre un peu trop tôt. Ok, on y est, on a réussi. Il y a des gars qui vont nous rejoindre. C'est pas le moment de merder. Ok, c'est bon, on est arrivé. Oh merde. C'est Lucky Queen. Pourquoi le boss du club nous joue ici? Ah, il va te descendre. Il est là pour toi. Allez, va prendre ta balle, mec. Quelqu'un était au courant. Je vous jure, je sais pas ce qui s'est passé. Il devait y avoir personne. C'est qu'une usine d'ordinateur, non? Mais l'alarme s'est mise à gueuler et les flics sont arrivés super vite. Je vous jure, c'est pas ma faute. Chut. Allons, allons, du calme, c'est fini, fiston. Au moins, je l'ai eu, non? C'est ça l'important. Effectivement, c'est ça l'important. Maintenant, tu vas mourir. Ainsi va le monde. Il n'y a pas de place pour l'échec. Oh, ça, j'ai compris, Monsieur Quinn. Mais c'est pas moi qui ai merdé. Non, c'est pas moi. Du calme, du calme. Tout va bien. Ça va mieux maintenant. Vous avez pu parler à votre mère? Appelez vos amis? Parce que c'est trop tard, hein. Votre fiancée? J'en ai pas. Non, monsieur. J'étais pressé. C'est bien. Très bien. Oh, il sait se défendre, hein. Ah bah oui, mais non. Contourne-le au lieu de l'entendre. C'est pas discret, hein, pour le coup, quand même. Dites à votre employeur que je la rappellerai. Si un jour j'ai besoin d'une autre livraison. D'accord, c'était ça le colis en fait. Ah, j'aime quand on fait ça. Je suis pas super bon avec les voitures, mais. Lucky Queen, une belle ordure. Le chef du Chicago South Club. Ces connards faisaient déjà leur magouille à Chicago avant ma naissance. J'aurais dû rendre service à la ville en lui mettant une balle dans le crâne. Mais c'est justement le genre de truc que j'essaye d'éviter. Il y a toujours des représailles. Et j'ai eu ma dose. T'es super bien garé. Alors, comment ça s'est passé? Pas de soucis? Tu pensais vraiment que je bosserais pour ces enfoirés du club? Eh, mon grand, l'argent, c'est l'argent. Faut savoir séparer boulot et principe. Détends-toi. Écoute, je peux te mettre en relation avec mon contact. Il te trouvera de meilleurs contrats de chauffeur. Ouais. Pas sûr que je les accepte. Mais donne-lui mon numéro. Le cash, c'est toujours bon à prendre. J'en étais où sinon, moi? Ah, et puisque tu me demandes, Maurice adore son nouveau chez lui. Cool. C'est un peu notre poisson rouge, en fait, Maurice. Hein. ouais, ok. Mission accomplie. Tu me donnes la suivante, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, que s'il te plaît, la suivante. Bon, bah, si tu veux pas... Ah, si, ça y est. C'est où? C'est loin, non? C'est super loin. J'ai quelque chose pour toi. Faut qu'on se voit. Se voir? Genre, face à face? Je cherche un mec avec un masque, ou... Non. Contente-toi de suivre le signal. Je croyais que tu rencontrais personne. C'est vrai. Mais là, faut qu'on se voit. Ah
bah ça y est bon, je les ai les trucs là. Bon, attendez, j'ai un truc que je voudrais vous montrer. Et on finira la vidéo là-dessus. Je sais pas si je vais y arriver du premier coup parce que c'est un peu tendax. C'est les missions d'escorte. C'est pas vraiment de l'escorte d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Et il va le regretter. C'est un mec qui se fait escorter et il faut le tuer. L'arrêter avant qu'il disparaisse. Voilà, c'est ça le principe. Donc là on a le tracé qui va suivre avec sa voiture. Alors, il y a toujours trois voitures à peu près. Hein. Alors, s'il te plaît, remonte. Voilà, donc ils partent de là. Ils vont venir là, comme ça. Ils passent là. Et leur but, c'est d'atteindre ici. Moi, il faut que je les intercepte avant. Alors, ça m'aurait arrangé qu'ils passent par le pont, à vrai dire. Et apparemment, ils vont plutôt aller au niveau du tunnel, si je dis pas de bêtises. Allez, on va voir, hein. Je sais pas ce que c'est ce truc. Ok, c'est des petites bombes. On va y avoir des morts, hein, là. C'est quoi ce délire? C'est qui ce mec? Depuis quand il y a des mecs aussi bien protégés qui se promènent dans la ville? Ok, bon, enfin bon, bref, vous avez vu à peu près l'idée. Je vais la refaire en... correct, on va dire. Je vais pas utiliser les bombes. Généralement, j'utilise les grenades, c'est plus sympa, surtout comme ça au niveau des... d'intersections, quoi. Alors... voilà. Pousse-toi s'il te plaît, merci. Vas-y mon pote, qu'est-ce que t'as à faire? Allez, ramenez-vous. Ah, ils arrivent. Tu te sens bien mon pote? C'est pas la première. Laisse-moi tranquille. Ah, j'ai raté ma cible. Et l'autre là-bas, c'est un taré, quoi. Ce mec. Ah, je me trompe encore un petit peu au niveau des... bon, bon, ma cible s'est enfuie. Bon, bref, je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Généralement, je mets 3-4 fois avant de bien réussir la mission quand je fais des escortes criminelles. On se retrouve très vite pour un autre épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé l'épisode et partagez-la à vos amis aussi, ça fera plaisir à tout le monde. Voilà, allez, je vous retrouve très bientôt. Ciao.